On achète le pass de combat, bien sûr. Putain, la musique va trop fort là-haut. La musique m'a pété les oreilles. Ok, donc ça, c'est un de skills de départ. C'est quoi qu'elle a en main? C'est quoi ça? C'est un couteau à poisson ou ça se passe comment là? Ouais, ok. Et on a lui. Ok, bon, il a un peu éclaté, lui, on va pas se le cacher. Il a un peu éclaté, la meuf c'est pas terrible non plus. Mais je suppose qu'ils sont évolutifs ces skins. Donc, on va un peu faire le petit tour du pass. Ok, petite traînée de poisson, passe des petits V-Bucks. Ouais. Bah, je vais trahir la saison, mais bon, ça je sais pas. J'ai pas joué, il y a des gens qui sont contents et des gens qui se plaignent. Du coup, on va voir ce que ça donne. Ok, il y a peut-être musique. Je sais pas ce qui s'est passé, à l'époque ils faisaient vraiment des trucs très stylés, des croix de chargement, là c'est éclaté quoi. Double pioche, j'aime pas les doubles pioches. Ok. On s'en fout de ça. Esthétiquement il est moche. Ah, il y a plusieurs variantes, ok. Bon, esthétiquement il est pas foufou. Hein. Le planeur est naze car tu peux l'améliorer. Bah, du coup, c'est pas forcément naze, ça peut être bien non, de pouvoir améliorer le planeur. Non? Amélioration du tapater. Ah, ok, c'est ça que tu peux améliorer. Okay, donc, ça, c'est une amélioration de l'autre planeur. Bah, du coup, c'est pas naze. Si tu peux l'améliorer, c'est bien, non? Justement. Pas même s'il éclatait. Écran de chargement éclaté. Ça, on s'en fout. Qui fait des graffitis, personne. Ouais. Oh, le Dionysie. Oh, le Dionysie en mode plongeur. Lui, il est à Kerk, mais... Oh, il a la variante. Ouais, mais comme ça il est moins drôle, il fait plus tryhard. Ah, il y a plusieurs couleurs. Attends, je vais attendre, il y a encore beaucoup d'améliorations là. Ah non. Comme ça il est drôle, ouais, il est drôle comme ça. Ok. Ok, il y a pas de son, c'est nul en fait. Gratuit, c'est quoi, sac à dos? Ouais. À part avec le skin plongeur, je vois pas comment tu pourrais le mettre là. On a un autre petit planeur. Ouais. De toute façon, le planeur, je crois que je mettrais celui de la saison. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais au premier top 1, là. Il y a moi que je débloque un petit truc. Lame intemporelle. Ah, ok, elle existe en double pioche et en normal. En vrai, en normal, ça peut aller. Parce que les doubles pioches, je déteste vraiment. C'est dégueulasse. C'est nul. Ça s'est éclaté, on s'en fout. Ça, c'est une variante du parapluie, du coup. Okay. En fait, ce qui varie, c'est juste ce qu'il y a dessus, quoi. C'est la boîte, l'autre, c'est d'autres trucs. Ok. C'est quoi ça? C'est quoi? Oh! Oh, ça, par contre, ça me chauffe, ça. Est-ce que t'es pendu à ça, ou est-ce que tu. Ou est-ce que t'es dessus? Il est pas beau, le planeur top 1. Ah ouais? Ah merde, parce que d'habitude, j'aime bien mettre le planeur du top 1. Celui-ci, je sais pas ce que ça donne, mais en vrai, il est stylé. Je sais pas si c'est pour marcher dessus ou si c'est pour être pendu. Il est pas mal en vrai. Ouais, ça, on s'en branle. Ça, est-ce qu'il y a moyen de l'avoir en simple ou. Non, c'est juste en double, donc ça pue la merde. Ce skin. Bof. Ah, ok, il y a des variantes. Ah, putain, mécano, il est kiff. Enfin, il est kiff. Non, il est pas drôle, mais bon. Alors, ça dit quoi la nouvelle saison? Bah, je sais pas encore, Maxime. Salut, Maxime. Je sais pas encore, je viens de télécharger d'allumer le jeu, donc je regarde un peu ce que ça donne. T'as déjà testé, Maxime, ou pas du tout? Je regarde un peu. Ok. Le hibou, pas que ça passerait, mais pourquoi il y a un truc mécanique dégueulasse là? Son perchoir, il est dégueulasse. Petite traînée. Ouais. Écran de chargement. Mais les écrans de chargement, du jour au lendemain, d'une saison à l'autre, ils sont devenus à chier. C'est le seul truc qui était vraiment soigné à chaque saison. Puis c'est parti en couille. Ok. Ouais. Ah, celui-ci, à moi de l'avoir en double, c'est ça, il a mis bonus maniement au choix. Ok. En vrai, c'est bien, je trouve que les doubles, ils puissent les mettre en normal. Parce que les doubles, j'aime pas du tout les doubles pioches. Petite musique, on s'en fout. Ouais, métal, après, on s'en fout. C'est un planeur, ça? Ok, s'il fait pas de bruit, ça reste correct. Il a pas l'air de faire du bruit en vrai. Ouais, ça a l'air correct, tu te fais.
C'est une variante ça, c'est ça? Ouais, bof. Ah oui, ok, j'ai vu ce que ça donnait lui, il faut l'améliorer, ça donne un peu comme le nomade, c'est ça? En amélioré, il a une cape et tout, je crois. J'ai vu un peu ce que ça donnait. Ok, écran de chargement éclaté. Cameron. Pas de soucis, Cameron. Des trucs qui hype. Mais putain, mais c'est qui, gros? Je l'ai même pas dit. Ah, si, c'était Ico, mais je vais pas jouer avec. Juste aller faire de l'arène en solo pour déjà grind. Oh! Ok. Bah, des trucs qui hype. Bah, en fait, Cam, je sais pas. Enfin, en guise. Là, je check juste le pass de combat. Donc, niveau pass de combat, je sais pas si c'est des trucs qui hype. Et niveau gameplay, j'ai regardé vite fait. Il y a un truc qui me hype pas trop, c'est qu'ils ont remis des. Ils ont remis des armes mythiques, tu vois. Et les armes mythiques, tout le monde voulait qu'ils les enlèvent parce que c'est OP, tu vois. Ils les laissent en compétition, donc c'est totalement scandaleux, tu vois. Et ils les ont remis. Maintenant, est-ce que t'as juste l'arme mythique et que t'as pas les coffres cheatés, tu vois? Si limite t'as juste l'arme mais que t'as pas de loot de coffre, ça va, tu vois. Maintenant, s'il y a encore un loot de coffre, c'est de la merde. Du coup, je sais pas, j'ai pas encore joué, donc on va voir. Bon, il y a des trucs qui doivent être hypants, comme. Bon, il y a des trucs qui doivent être. Moyen, je sais pas. Là je check juste un peu pour voir. Ah ouais ça c'est un sac à dos ça ouais. Ouais. Bon. Il y a des skins avec lesquels il peut aller. Le skin face sway ou le skin songe. Le camo. Un camo sap comme ça me convient encore plus ou moins ça passe. J'ai ouvert tantôt mais j'ai la flemme de jouer donc j'ai vite coupé. Ah! T'as les coffres cheatés. Oh. Les coffres mémés. Bref, et wood dégueulasse. Ok, écran de chargement dégueulasse. Ah, ça peut donner quoi ça en H principal? Ah, ok, c'est de la variante, mais elle existe pas en simple, c'est qu'en double. Si c'est qu'en double, c'est de la merde. Ah non, ok, elle sort en simple aussi. Ouais, bah elle est éclatée. Ouais, c'est éclaté, c'est éclaté. Éclaté. C'est quoi ce châssis à robot? On dirait l'inverse des Ratchet et Clank. J'avoue, attends, remonte-moi un peu ça. Il était où? Putain. J'avoue comme skin c'est bizarre en vrai. C'est bizarre. Camo dégueulasse. Planeur dégueulasse. De ce que je vois, il a l'air dégueulasse. Oh, il est dégueulasse. Écran de chargement, celui-ci je pourrais le mettre à la limite. Passe. Ah, le planeur c'est quoi qui change cette fois-ci? C'est la boule, c'est ça? C'est le truc? Ouais, ok, c'est le truc. Ouais, bon, planeur évolutif, personnellement ça va pas changer mon expérience de jeu. Petit backpack qui n'ira sur aucun skin, bien sûr. Ok. Skin. Il a une variante ce skin ou pas? Parce que. Ok. L'écran de chargement c'est pour petit. Quel chien. J'avoue, il fait un peu vieux métalleux à la potille. Ah, ok, il a une full forme. C'est sa full forme ça ou il a encore une forme? Non, ok, c'est sa full forme. Ok. Non, éclaté. Celui-ci, il est. Ça donne quoi en simple? Les doubles pioches, faut qu'ils arrêtent. C'est vraiment, c'est à chier les doubles pioches, franchement. Ok, en pioche ça, bah, c'est dégueulasse, on est d'accord. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Ça, c'est une émote, tout le monde s'en branle. Okay. Graffiti, tout le monde s'en branle. Ah, c'est une traînée à laquelle t'as ta bannière. Ouais, bof. Ok. L'écran de chargement là. J'aime pas le fond rouge parce que le truc ici est stylé, mais le fond rouge, je sais pas trop. Ah, c'est la danse péchu en fond. Ok. Oh, Billy, c'est la musique de Jul, les gars. Musique de Jul. Boisson du brave légendaire. Ouais, j'ai vu, il y a la boisson du brave mythique. Mythique ou légendaire? Mythique, non? C'était pas mythique? Légendaire grappa, pont. Ouais, mythique, tu voulais dire. Ouais, mythique. Ok, ça va. Ouais, lance répulsif, j'ai vu. Carabine, ok. Le pompe. La hog, ouais, la hog mythique, quoi, j'ai hâte. Mais par contre, apparemment, ils ont salement nerf flame assist. Hein. Ils ont très très bien nerf flame assist, apparemment. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça peut être stylé d'être sur ça en tant que planeur. À mon avis, ça pourrait être dessus, ça, bah, de fait. Ok, ça j'imagine que c'est. Oh putain, ça me fait penser à un vieux jeu de combat.
Comment c'est le jeu de combat là, ça? Avec Smite. Smite? C'est ça? Smite? Un jeu de combat là, avec un gros chinois qui a cette épée là. Ça me fait penser à ça. Ok. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Même pas envie d'en parler. T'as les émotes, elles sont éclatées. Hein. Il y a 6 variantes du planeur. Ouais, je vais pas toutes les regarder, ça va être chiant. Ce planeur là, il fait déjà trop de bruit, ça me casse les couilles. Donc je le mettrai pas. Là, on a une petite bannière. Là, le backpack, il est frais en vrai. Oh, ok, t'as plusieurs couleurs. En vrai, il peut être frais celui-là. Il peut être frais ce petit backpack. Ok. Ce skin là, j'ai vu, il est pas mal. Il a plusieurs variantes, 3 variantes. Ok, on va voir ce que ça donne. Yolilou, Yolilou, y a trop d'eau. Bah j'ai vu la map, à quoi elle ressemblait, et ouais apparemment il y a beaucoup beaucoup d'eau. Surtout en haut à gauche de la map, en bas à gauche. En bas à droite de la map ça va encore, ça a été... Ok, il est stylé vite fait le skin, il est pas mal. Et celui-ci, du coup ça c'est la forme finale du premier gars, c'est ça? C'est Transit, ouais la forme finale, ok. Ok. Bah en vrai ce skin-ci par contre il me hype pas mal, il est fort stylé je crois. Fort fort stylé. Ça dépend de la couleur. Et le petit backpack qui va avec, il est pas mal. Ok. Ça reste, ça semble correct.